pour la tête de ma mère, gros. C'est pas Ola. Juste un truc, s'il te plaît. C'est osé. Oh, Instagram, YouTube. Ouais, YouTube. Wesh, ça va ou quoi? C'est Srambat de les gars. Ouais, c'est moi. Moi, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. En fait, de base, j'étais en train de tourner une vidéo de moi qui est en train de lire vos messages Instagram et pourquoi pas vous appeler. Mais le problème, c'est que quand j'ai mis la story, en story, j'ai mis ouais, je réponds, j'ouvre vos messages en vidéo et j'ai pas précisé que j'appelais. Du coup, c'est parti en FAQ. Et tout au long de la vidéo, je répondais à des questions et tout. Je me suis dit, bon, vas-y, au final, je crois que ça va partir en FAQ. Du coup, là, c'est une FAQ, mais c'est pas n'importe quelle FAQ. Ça fait trop de fois le mot FAQ. Je reçois que des messages. Bref, c'est pas n'importe quelle FAQ. Je vais répondre à vos messages. Et il y en a certains, comme je l'ai précisé dans ma story Instagram, j'ai fait une vidéo où je disais que j'allais appeler certaines personnes si la question était intéressante, etc. Du coup, c'est parti, hein. Mais voilà, anarchie, là, c'est l'anarchie. Je reçois que des messages. Bon, là, on est sur Instagram. Et vas-y, on va ouvrir. Au hasard, hein. Au hasard. Maintenant, c'est pas du hasard. Et je vais, en fait, pour le moment, je vais lire. Je vais ouvrir le premier truc que je tiens. Toi, t'as une pépé Naruto, je vais ouvrir. Si un jour Prism n'existera plus, que feras-tu? Bah, je vais continuer les vidéos, frérot. C'est Sliden qui m'a dit ça. Je vais continuer les vidéos. Tu comptes te remettre actif sur Twitch à partir de la rentrée? Au passage, je kiffe ce que tu fais comme ça. Je kiffe ce que tu fais. Continue comme ça, le S. Merci, Juliana. Et pour répondre à ta question, j'attends d'emménager en réalité. Là, pour la fin de l'été, je préfère faire du sport et des vlogs. Profiter du bon temps parce que je sais très bien qu'à la rentrée, en hiver, etc., je sais pas si je vais sortir. Enfin, je pense, je vais sortir, c'est sûr, parce que je dois quand même faire des vlogs. Mais je vais plus jouer aux jeux vidéo. Donc, ouais, je me repose en vrai. J'attends la rentrée, que j'emménage avec Walid. J'attends mon nouveau PC. J'attends la fibre, zéro de ping et tout. Parce qu'à la villa, on n'a pas zéro de ping. C'est un faux zéro de ping à la villa. On a en moyenne 20, 15. C'est excellent, hein, mais j'attends zéro de ping. Moi, j'ai jamais goûté à ça. Vas-y, on va essayer d'appeler quelqu'un sur, ça, sur la prochaine. On va essayer d'appeler quelqu'un. J'aimerais bien appeler quelqu'un, là. Je vous mens pas. Wesh. Oh, le son. Ça va? Ça va, le son? Bien ou quoi? Tranquille et toi? Ça va, tranquille. Alors? C'est quoi? Dis-moi, c'est quoi ta question? J'espère qu'elle est intéressante. Ouais, alors, attends, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, ah ouais. Déjà, je vous ai dit pourquoi vous avez déménagé à Paris avec Wally. On n'a pas déménagé, frérot, je suis à la villa. Mais vous allez déménager. Là, vous êtes toujours à la villa. Ben, en vrai de vrai, parce que il y aura des nouveaux prismes. Je l'ai déjà expliqué dans la vidéo où on déménage. Il y aura des nouveaux prismes et il faut leur laisser la place, t'as vu. Comment vous les recrutez? Moi, je sais pas comment ça se passe, juste je suis au courant de qui sera nouveau prisme. Bon là, pour le moment, je sais pas, mais le jour où ils ont retrouvé, je serai au courant. Mais comment ça se passe, en vrai, ça va se passer comme pour moi, hein. Moi, ils ont vu que je faisais des vidéos sur YouTube, que j'étais régulier, que j'avais une bonne audience, et ils m'ont appelé. Donc ça va se passer de la même manière à coup sûr pour les autres, mais je sais pas qui va nous remplacer pour le moment. Ok, et est-ce qu'avec Walid, vous connaissez déjà d'avant? Des quoi? Avec Wally, c'est déjà d'avant? Non, je l'ai connu quand je suis arrivé à la villa. Bon, je voyais sur YouTube et tout, je voyais, elle avait fait une ou deux vidéos, mais j'avais jamais cliqué. Je le connaissais pas du tout. Ouais, c'est bien. Ok, ouais, bon voilà, j'avais mes questions et... Carré. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Tu veux passer un coucou ou quoi? Bah ouais, le sang. Vas-y, passe. Like en bas, là. Merci. Merci, frérot. Vas-y, je vais appeler d'autres personnes. Vas-y, c'est bon. Vas-y, le sang, ciao. Ça va, il était gentil. Je sais pas appeler qui encore. C'est mon rêve si tu me réponds. Vas-y, je t'appelle. On va réaliser ton rêve. Ouais. Non, il m'a appelé. Oh, c'est vrai. Ça va, frérot? Eh, pleure pas. Ça va, mon frère? Oh, respire un coup, respire. Bah, respire, frérot. Oh, pleure pas, je vais chialer aussi. Allo? Allo? Ça va ou quoi? Ouais. Je t'appelle comment? Je m'appelle Anoki. Comment? Anoki. Anoki? Oui. C'est stylé ça, hein. T'as quel âge? J'ai 12 ans. Bah attends, je vois pas ta tête, c'est bon, arrête de pleurer, remets ta tête. Ça va ou quoi, frérot? Ouais. Alors, t'as une question ou pas? Ouais. Même plusieurs, si tu veux m'en poser plusieurs, pose. Bah, est-ce que tu comptes continuer jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge je vais continuer? En vrai, le plus longtemps possible, je pense, hein. Le plus longtemps possible, parce que je kiffe. Ok, est-ce que là,
avec les abonnés que t'as. Si tu quittes Prism, tu pourrais encore vivre de YouTube. Ouais, avec les abonnés que j'ai, je pourrais faire ma vie là sans Prism. Mais c'est pas le but. Le but, c'est d'aller le plus loin possible avec eux. Ok. C'est tout? Ouais. Vas-y, nickel. Ça fait plaisir. Merci pour tes questions, frérot. De rien. Vas-y, ciao, bonne journée. Ciao, bonne journée. T'es trop mignon, lui. Voilà. Oui. Il a fait wesh. Wesh. Il a coupé sa tête. C'était un bon. Vas-y, tu m'en stand. Salut. Oh, le son, je suis le même, en fait. Oh, t'es le même, tu saoules. C'est parce que j'ai fait sur mes deux comptes. Eh, vas-y, t'es un gamin, je me suis dit, il y a le même nom. C'était pour t'avoir. Espèce de bâtard, vas-y. Ciao. Ah, lui est fort, lui, il m'a eu deux fois. Voilà, il est fort. Vite, des gens qui veulent appel. Parce que bien évidemment, je peux pas ouvrir un message et appeler la personne direct. En fait, si ça vient pas d'elle, ben, t'as vu, j'appelle pas. Parce que peut-être qu'elle a pas envie de passer sur la vidéo ou... Et je veux des gens qui m'appellent. J'ai mis une story, j'ai dit j'appelle qui tout de suite, là, maintenant. Ils ont trois questions. Donc comme ça, ça va ramener plus de gens d'accord qu'ils ont pas de soucis avec ça, etc. Starfallah, frère. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tellement mon crapaud de la tirita. Oh, si on appelle avec Trampad sur Insta, l'équipe. Quoi, t'es en live ou quoi, frérot? Hein? T'es en live ou quoi? Mais non, je suis avec mes collègues, mais non. Une vidéo, mais voilà, je sais. Ça va ou quoi? Bien? Ça va ou quoi, frérot? Ça va, alhamdoulilah. Dis-moi comment tu t'appelles, ton âge et ta ville. Je m'appelle. T'as dit quoi? Ton âge, ta ville et ton prénom. J'ai 17 ans, bientôt 18 ans, Inch'Allah. Inch'Allah. J'habite vers Marseille, il s'appelle Villeneuve, Manos, c'est à côté. Ouais. Et quoi encore? Et ton prénom? Je m'appelle Sababer, S-A-B-E-R. On m'appelle Ilier dans jargon. Ouais, mais frérot, pourquoi tu parles comme si? Tu parles comme si j'avais un gun là, je te le pointais, frère. Relax, tranquille, frère. Tranquille, frérot. Du coup, oh frérot, calme-toi, respire un grand coup. T'as trois questions vas-y. À me poser. Vas-y, je t'écoute. Moi, je te pose des questions. Ouais, trois. La première, c'est est-ce que t'es fier de où t'en es déjà? Ouais, pas débat. Deuxième question, c'est quoi ton plus grand rêve? Ouais, mon plus grand rêve, c'est. Je sais pas, en vrai, je sais pas. Tes parents encore? Je dirais mettre toute la famille à l'abri. Toute la famille à l'abri. Ça, c'est le rêve pour moi. Et le dernier, attends. Je sais pas, voilà. Juste un truc, s'il te plaît. C'est osé. Ah non, toi tu vas demander une pub ou un truc comme ça, voilà. Est-ce que... Je peux venir à la villa? Oui. Oh frère. Quoi? Ah, est-ce que pour 400 000 likes je viens? Mais voilà, tu viens en Y, frère. Voilà. Mais je vais jamais les avoir les 400 000 likes. Oh les gars, je vais vous mordre le crâne. Oh frère, voilà 400 000 likes, faut que je suis Squeezie ou Michou. Michou, il y a 400 000 likes. Oh, mais quand on va les avoir? Ben voilà, on parle 1000 euros maintenant, frère. 400 000, t'es sérieux ou quoi? Non, pas de sous, c'est haram, mais on... Ouais, c'est haram. Ouais, tu sais quoi, on parie quoi? Ah, s'il y a 400 000 likes, ce qui est impossible, tu viens un jour. Et si, un jour. Mais voilà, frère, je te dis direct, on les aura jamais. Vas-y. Voilà, on les aura jamais. Mais si. Okay, fais-moi confiance. Vas-y, je te fais confiance. Et si ça arrive, tu restes une semaine. Voilà, tu fais vlog, vidéo et tout. Voilà. C'est bon? Voilà, frérot. Vas-y. Attends, 5 secondes. T'es prêt? Ouais. Voilà frérot, tu m'as régalé, voilà. Vas-y, bonne journée, bonne game. Passe le salam à tes frères. Vas-y, ciao. Ouais, il m'a régalé lui. Il m'a régalé, le Coran. Mort. Bon, j'aurais bien dit on va appeler des meufs, mais oula, il y a que des garçons sur mon Instagram. Je peux pas inventer des meufs. Bon, vas-y, à lui. Allô? Oui. Oh, putain de sa mère. Putain de sa mère. Ça va? Ça va et toi? La putain de sa mère. Bon, vas-y. T'as trois questions, frérot. Ouais, t'as trois questions, je t'écoute. Tu vois, dans la FA, t'avais dit que t'allais habiter à Paris avec, ouais. Avec Wally. Ouais, ouais. Et c'en est où? C'en est où? C'en est. Faut que l'un de nous deux est véhiculé, t'as vu? Et moi, je vais bientôt passer mon permis et tout, donc ça arrive. C'est juste, si je parle de ça tous les jours, on va me porter l'œil, donc je parle pas. Tu penses pas aller sur GTRP et tout comme Wally? Non, en vrai, GTRP, je trouve que c'est un jeu bizarre, t'as vu? Je sais pas, je trouve que c'est les. Bon, Walid, c'est quelqu'un que je respecte et tout, mais je te jure, le jeu GTRP et tout, c'est pas mon délire du tout. Ouais. Je sais pas, j'aime pas. Est-ce que tu penses que tu vas faire des autres projets de vlog, un peu comme la DTR, mais. Ouais. Ah ouais, ouais. Je peux pas parler, mais c'est dans ma tête, t'inquiète. Ah ouais? Ouais. J'ai des projets. J'ai plein de projets.
Bref, vas-y mon daron, il va te poser une question, bref. Vas-y. Salam. Salam alaikum. Salam. Ça va ou quoi? Bon frérot, moi je t'explique, le foot, tu vois, je regarde pas, tu vois, je porte les vêtements et tout, mais vu que c'est des grands matchs en ce moment, tu vois, j'essaie de jeter un coup d'œil, donc moi je dis, Lyon, ça, il va perdre contre Bayern et ça sera PSG-Bayern et PSG va battre le Bayern. PSG va battre le Bayern, ouais. Ouais, moi je dis PSG. Allez, bonne soirée. Vas-y frérot. Ouais. Vas-y. Je peux faire une petite, juste une petite vidéo pour mes potes. Ouais. Tu dis dédicace à Shine, s'il te plaît. Shine? Oh, dédicace à Shine, c'est le sang. Merci. Vas-y, le sang, je te laisse, je vais appeler d'autres personnes. Vas-y, ciao. Ils sont gentils, les gens. Voilà, ils sont gentils de fou. Oh. Allô? Ça va? Ça va, et toi, frérot? Ça va? Oh, ta photo de profil, elle me fume. Bref, je t'appelle comment? C'est quoi ton âge? Moi, c'est quoi ta ville? Malik. Ouais. Je m'appelle Malik, je viens d'à côté de Lyon. Il y a 16 ans. 6-9 la trique, il y a ta ville qui vit, ta ville qui joue ce soir. Ouais. Tu regardes le foot un peu? Ouais, bah ouais. Ça va. Je suis un ouf, c'est moi qui pose les questions. Bref, t'as 3 questions. Ouais. Et vas-y. J'ai une question. Ah, t'as une question? Pour toi. Ouais, ouais. Ah, ok. Juste pour toi, le meilleur code créateur à part le tien, c'est lequel? Elitasco. Code Elitasco. Ah ouais. Code Elitasco, on n'oublie pas. Après, le tien, il est meilleur quand même. Ah, il n'y a pas meilleur. Ce sera en mode avec un V, mais s'il l'a pu un jour, tu mets code Elitasco. Ah, moi j'aurais mis meilleur arabe. Ah, il y a Walid aussi. Eh, j'avais oublié un code lui. Moi je l'ai pas, en fait, je l'ai pas connu sous le nom meilleur arabe moi. Moi Walid, je l'ai connu en tant que Walid, t'as vu. Mais ouais, c'est vrai. Ouais, au pire, tu peux faire ça. Ouais, vas-y, du coup, t'as des questions? Quoi, j'ai des questions? T'en as 3, ça tu dois me les poser. Ah ouais, c'est un malade. Pour toi, c'est qui le meilleur de tous les journalistes francophones? Bah, actuellement, frérot, je te cache pas. Regarde, là je suis dans ma chambre, on est au mois d'août. Ça n'a rien à voir avec ta question, t'as vu? Mais je joue plus du tout, je m'intéresse plus à Fortnite. Je regarde ni de vidéos, ni je joue. Parce que vas-y, en vrai, l'été, je préfère comme vous. Moi, je fais moins de vues l'été, t'as vu? Parce que les gens, ils sont en vacances et ils sortent. Bah, je vais faire la même chose, moi. Donc, je pourrais pas dire c'est qui le meilleur joueur parce que je regarde plus. Je regarde plus. Ah bah, attends, j'ai une autre question. La DTR, tu penses arrêter au combienième épisode? Ah, je sais pas. Je suis en train de réfléchir à ça en ce moment. On est en train de parler de ça, mais on n'a pas encore pris une décision. Mais t'inquiète, on y pense. Ah ouais. Et du coup, j'ai 2 questions encore. Ouais. Je sais pas, frère, vas-y. On s'en fout. Vas-y. C'est laquelle la meilleure paire Azix? C'est... Bon, je vais te montrer la mienne, mais elle est dans un sale état, t'as vu? C'est celle-ci. Mais elles sont dans un sale état. Mais c'est celle-ci. Si jamais tu les trouves un jour, achète-les. Ouais. Comme dans ta story, on a vu. Bah ouais, je vais mettre copier, je vais t'afficher devant tout le monde. Mais du coup, vas-y, ta dernière. Vas-y, dernière. Est-ce que tu vas me follow un jour sur Twitter? Parce que ouais, tu me follow. Jure? Ouais, bah ouais. Je t'ai follow il y a pas longtemps, toi. Ah, c'est pas toi, Malik, tout court? Si, bah ouais. Ah, c'est toi. Aïe, aïe, aïe. Putain, ouais. Le hasard, c'est un truc de fou. Non, j'ai pas de follow, t'inquiète. Tu m'as fait rire. Ah, bien. Ceux qui me font rire, je ne follow pas. Ah, tu vois, sur les tweets et tout, ça veut dire? Non, je t'ai masqué. Ah. Non, je rigole, je te vois, t'inquiète. Je te vois. Vas-y, frérot, je vais appeler d'autres personnes parce qu'il y en a, ils attendent. C'est bon? Juste, frérot, je peux faire un screen ou pas, s'il te plaît? Eh ouais. Vas-y. Ah, merci, frérot. Vas-y, bonne soirée. Vas-y. Ciao. Bonne soirée à toi aussi. Voilà, eh, vous êtes trop gentil, hein. Ça faut le dire. Vous êtes super gentil. Ça va, lui, il pose des questions, je l'ai même pas encore appelé. C'est ouf. Sur la tête de ma mère, gros. Sur la tête de ma mère, elle semble. C'est un truc de fou. Ça va ou quoi, ça? Ça va et toi, frérot? Tu t'appelles comment? Eh, le truc de ouf. Moi, je m'appelle Mathéo. T'as quel âge? J'ai 13 ans. Tu fais du rap depuis quand, toi? Depuis quel âge tu fais du rap? Pas longtemps, en vrai, mais j'ai pas des trucs fous. Non, en vrai, ça va, j'ai écouté, y'a un flow. De quoi t'as écouté? J'ai écouté tes sons. Mais j'ai pas de sons encore. Bah, pourquoi tu viens de dire depuis pas longtemps? De quoi, depuis? Bah, parce que j'ai fait quelques sons, mais ils sont enregistrés sur mon téléphone. Eh, frérot, j'ai tout écouté, t'inquiète. Tes potes, fais gaffe, c'est pas tes vrais potes. Ils m'ont tout fait écouter. Bref. Mais quoi, ils ont enregistré des sons. Bref. T'as 3 questions. Je te laisse me les poser. Est-ce que quand t'as commencé YouTube, c'était quoi ton objectif d'abonné? Mon objectif d'abonné, c'était. Mon premier objectif, c'était les 10 000. Les 10 000. Ah ouais. Les 10 000, c'est symbolique de fou. Et tu les as atteints vite ou quoi? Non, j'ai mis un an et demi. Ok. Un an et demi, ouais. Bah merci, gros. Vas-y, frérot, bonne journée à toi. Et vas-y, à la prochaine. Ouais, vas-y. Merci, c'est carré. Vas-y, ciao, frérot. Vas-y, sera. YouTube. Voilà, je les aime trop, les gens. Salut, Mathéo. Ouais. Bien ou quoi? Bien ou quoi? Ça va? Ça va? T'as quel âge? Ça va, toi? Ça va. Dis-moi, t'as quel âge? Tu vis où? T'es en quelle classe?
j'ai 14 ans, j'habite à Loris et je passe en troisième. Ça va, c'est carré. Donc t'as 3 questions, tu vas me les poser et si jamais il y a une question qui a déjà été posée, je te dirai de changer de question, c'est bon ? Vas-y. Vas-y, c'est carré, je t'écoute. Est-ce que t'as déjà eu une longue relation avec une fille ? Ouais, ça a duré 5 ans. Est-ce qu'un jour tu vas faire une pool party ou quoi avec tes abonnés à la villa ? En fait, le problème avec ça, c'est que pool party, tu vois, il y a des trucs comme alcool, etc. Et ça, c'est interdit aux mineurs. Tu vois, même moi, j'en consomme pas, tu vois. Donc, si on ramène des abonnés, ce qui est, on peut, t'as vu, mais faut vraiment, c'est dur à mettre en place et tout, gérer des personnes qui gèrent les abonnés, qui les surveillent et tout. Si on les ramène et qu'ils sont mineurs, on va être responsable d'eux. Donc, s'ils commencent à boire des trucs dont ils ont pas l'âge ou consommer des trucs dont ils ont pas l'âge, faire des trucs qui ont été interdits par leurs parents, etc., ça va nous retomber dessus, t'as vu. Mais ouais, c'est probable. En plus, il y a eu un post comme quoi on allait inviter tirer au sort des abonnés. Ouais, ça va se faire, mais t'as vu, si ça se fait pas, ça s'est pas encore fait, c'est que ça prend du temps. T'as vu, ça prend du temps. Mais ouais, c'est comme le nouvel an. Le nouvel an, on a ramené 2 personnes, 2 abonnés. Et tu vois, il y avait des gens qui les. Bon, après, ils étaient majeurs, t'as vu. Mais ils étaient respectueux, calmes. J'ai parlé avec eux et tout. Donc ça va, c'est carré. Ouais, on va le faire. Et vas-y, troisième question. Est-ce qu'un jour, tu comptes quitter Prism ? Non, je ne quitterai pas Prism. Si un jour, j'ai plus le Blaze Prism, c'est que ça n'existe plus. Mais ça ne va pas plus exister, c'est impossible. Donc voilà, c'est tout. Merci pour tes questions, frérot. Et vas-y, je vais appeler d'autres personnes, c'est bon ? À la prochaine. Vas-y, ciao. Il était gentil, Mathéo. Mathéo, c'était un bon. Ah, il y a Alessio qui est de retour. Vas-y, je pense que ça va être le dernier. Je vais lui donner 5 questions. Lui. Salut. Allô. Oui. Ça va. Comment ça va? Ça va, tranquille. Quel âge t'as? C'est quoi ton prénom et tu vis où? Je m'appelle Alessio, j'ai 13 ans et j'habite à côté de Roubaix. Jure. C'est quoi? Waterloo. Jure, t'habites à Waterloo. Voilà, j'habite pas loin de Waterloo. Un truc de fou, le hasard. Bon, t'es la dernière personne que j'appelle. Ok. Vas-y, c'est bon, je t'écoute. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer YouTube? Qu'est-ce qui m'a poussé à commencer YouTube? C'est mon entourage qui me disait qui me conseillait de faire des vidéos parce que je me débrouillais bien sur Fortnite. Et moi, je voulais pas. Et au fil du temps, il me forçait. Après, tu connais. Quand on te force à faire quelque chose, tu t'y mets. J'y ai pris goût, donc j'ai kiffé faire ce que je fais et tout. Mais je voulais pas montrer ma tête, t'as vu. Mais ça, c'est venu avec Prism. Si j'avais pas été chez Prism, j'aurais pas montré ma tête. Mais c'est mon entourage qui m'a poussé à faire des vidéos. Donc, deuxième question, quand est-ce que vous allez annoncer le prochain Prism? Je sais pas, je te jure, je sais pas. C'est pas moi qui décide, qui me réveille et qu'un jour qui dit ouais vas-y lui aujourd'hui on l'annonce, c'est pas moi. C'est quelqu'un vient à la villa, va dire lui on va l'annoncer et nous on se prépare à l'accueillir, t'as vu. Mais faut que j'attende, comme toi j'attends. Vas-y, il te reste une question, c'est tout. Une question, vous pensez que la déterre, il y aura combien d'épisodes à peu près? La déterre, ça je peux pas le dire, je peux pas le dire mais ça va pas durer éternellement. Bref, merci encore pour tes questions frérot. Merci. Vas-y, ciao. Merci. C'était bien marrant. Bon les frères, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager à vos amis, ceux qui me connaissent pas. N'oubliez pas que l'objectif principal avant tout, c'est d'avoir 1 million d'abonnés. Donc je compte sur vous pour le partage. C'est grâce à vous que tout ce qui se passe, que je monte en abonnés, etc. C'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous. Donc, si ça vous a plu, je répète, likez, commentez, activez la cloche des notifications, code SRAMBAD avec un V, code LADETER sur le site MyProtein pour ceux qui souhaiteraient faire du sport. Et n'oubliez pas, si ça vous plaît, en commentaire, déjà premièrement en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez un cœur vert. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez une autre vidéo de ce genre. Genre par exemple, imaginons sur Instagram, je poste une story, je pose une question, peu importe le thème, on verra. Et vous débattez avec moi, vous répondez, je vous appelle et là on discute tout ça. Bref, je vous laisse sur ça et à la prochaine. À la prochaine les frères. Et oubliez pas, mes réseaux ils sont en description. Faut aller me follow, faut aller me soutenir. J'ai 500 000 abonnés sur YouTube. Sur Twitter j'ai même pas 100 000. Bon sur Instagram ça va, j'ai bientôt les 300. Sur Snap, c'est désert, frère. Enfin, c'est désert comparé à mes autres réseaux. Et TikTok, non, ça va, TikTok, ça commence un petit peu à monter, c'est sympa. Discord, pour ceux qui souhaiteraient parler avec des membres de ma communauté, etc. Vous pouvez, et d'ailleurs, j'ai jamais donné un nom à ma communauté, moi. Jamais. Juste mettez un diamant à côté de votre nom, peu importe l'application. Si vous mettez un diamant, c'est que vous êtes avec moi. Bref, vas-y, je vous laisse sur ça, je vous fais plucher. À la prochaine, et à bientôt.